Bon, alors, ce petit thème, on arrive sur le thème de la narcissisation. Narcissisation, c'est quelque chose de plutôt péjoratif en règle générale, parce que quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui aime sa propre image. Il se regarde dans le miroir, il fait « Oh, je suis beau !» La narcissisation dont je vous parle dans ce thème-là, c'est pas « Moi, je me trouve beau dans la glace !» C'est toute relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, familiale et autres, est une relation de deux individus. Les deux individus sont en réalité miroirs de l'un et de l'autre. Ce que j'aime chez toi, c'est l'image que tu renvoies de moi-même. De la même façon que ce que tu aimes chez moi, c'est l'image que je te renvoie de toi-même. Une fois que cette narcissisation est conscientisée et conceptualisée, vous prenez conscience que pour vous aimer à travers l'autre, il faut travailler votre image en lui. Là-dessus, il ne faut pas se gourer, il ne faut pas se dire « il doit être moi » parce que l'autre, il n'est pas vous. Par essence, il est l'autre. Donc il renvoie une image, il vous renvoie vous via son prisme à lui, via sa vision que lui a. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut savoir faire pour se trouver beau dans les yeux des autres, et se trouver beau dans les yeux des autres sous-entend pas réciprocité, parce que tout est la continuité de tout, vous l'avez compris. Dans le consortium, c'est ça. Si je le fais se trouver beau, il me trouvera beau à travers lui, etc. Et donc moi, je me trouverai beau à travers lui. C'est une énergie positive. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire, je veux qu'il soit moi, sans voir via mon prisme à moi. Mais ça, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est comprendre quel est son prisme à lui, pour faire les gestes nécessaires pour que lui se sente beau en vous, et par réflexion, par mimétisme, vous vous trouverez beau en lui. Fréquence vibratoire encore, si j'exhorte le meilleur et que j'ose briller, que je me permets de briller, en face de moi sont généralement des gens qui sont sur une fréquence vibratoire identique. Et donc qui brillent eux aussi, qui s'autorisent à briller. Et donc une réciprocité. Donc j'aime qui je suis en toi et j'espère que tu aimes qui tu es en moi. Et en tout cas, l'expérience que je propose sur ces permanences, c'est vous venez ici et je vous donne la plus belle image qu'il soit possible de donner à titre complètement gratuit dans la rue à Paris. Vous venez et vous verrez, je vous trouverai très beau. Bah ou non, c'est même pas ça. C'est vous vous trouverez très beau à travers moi. Et moi à travers vous, de fait. J'espère. Sinon, tentons l'expérience. Bon allez, je vous retrouve tout de suite dans le petit thème qui est la suite, mais je ne sais même plus où est-ce que j'en suis. Donc j'espère que vous aurez compris quelque chose au thème. Restez, hein, comme tous les thèmes précédents et comme tous les thèmes que je fais, ne restez pas derrière votre écran à ruminer une incompréhension éventuelle. Venez ici et on partage. Ok ? Allez, ciao, à tout de suite !